fenêtre d'arrêt au stand va fermer. La fenêtre de ravitaillement ferme dans ce tour.
voiture de devant s'est arrêtée pour chausser des pneus médiums. Qui te précède est de 1,1 seconde.
votre retard sur la voiture de tête est de 12,6 secondes. Sur la voiture de l'avant est de 2,6 secondes.
reste à peu près 5 tours de carburant. Belle performance de Mercedes, c'est une nouvelle victoire historique. Comment expliquez-vous ce triomphe, Nicolas Martin? C'est la stratégie qui a fait la différence. Vous vous rendez compte que le travail sur le muret des stands permet d'optimiser chaque relais et de tirer le maximum des pneus? Cela montre une fois de plus que le collectif est important. Mais une équipe parfaitement rodée ne fait pas tout. Pour gagner, il faut également s'appuyer sur le talent du pilote. Voilà, c'est là où ils veulent tous être. Nous retrouvons nos trois vainqueurs qui avancent vers le podium après un Grand Prix d'anthologie. Voyons à quoi ressemble le classement pilote. Le leader est descendu au classement à la suite d'un mauvais résultat. Alors Nicolas Martin, quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui? Je pense que c'est Sergio Pérez. Il a été majestueux aujourd'hui. Rien à redire sur sa conduite. Jetons à présent un œil au classement constructeur. Mercedes creuse l'écart au sommet du classement. Merci de nous avoir rejoints pour cet incroyable week-end. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.